Nous voici de retour sur Infinite and Discovery. Un jeu infini. Ok. J'ai réaugmenté un petit peu le son, juste un petit peu. C'était peut-être le BGM en fait. On va le mettre là, va soigner des fous. On va loader le game. Okay. Alors on était avec ces pistons. Il y a l'ours qui se fait tabasser là. Le principe c'est l'ours qui devrait tabasser les méchants. Là. Perdu quand même pas mal de magie. Hein. Blololo, qu'est-ce qu'il faut faire hein? D'accord, donc c'est des miroirs et il faut que ça atteigne ça. Oh, voilà. On va essayer. On va bien voir. D'accord, c'est parce que ça part à droite. Donc. Si on fait ça. Non, peut-être pas en fait. Attendez. Ça va sur lui. Comme ça. Hein? Bah. J'ai bougé ça? What? J'ai pas bougé? Attendez. Waouh, c'est chaud, ça se réinitialise à chaque fois. Foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule? Ah ouais. Putain, le puzzle de merde quoi. Première fois que je vois un truc pareil. C'était le chemin principal. Dommage.
Putain. On est dans la merde. Hein. Ah mais c'est nul, on peut pas monter. On est obligé de se faire tabasser par les ennemis en haut. What? C'est un petit peu pourrave quand même. Bon, c'est bon, ils sont partis. Okay. Waouh. C'était très spécial quand même comme mini-boss. Et on va aller voir ici. On soigne ou on soigne pas? Merci. C'est bon, hein. Je crois qu'on a... Ouais, c'est ça. On n'en a plus qu'à avancer. On va retourner là où on était. Milchier, tu pourrais nous soigner quand même. Il te reste de la magie. T'es pingre. Merci de tuer l'ennemi une fois qu'il est mort. Pas utile. Elle se bordait. Où on est? Ah putain, d'accord, les commandes sont inversées. J'ai folie. Bon. Ah donc faut frapper les deux en même temps. D'accord. Attendez. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, voilà. Qui sent le sœur. Ça sent pas très bon ça. Non, non, je crois que c'était pas. Ok, vaut mieux sauvegarder. On va peut-être se soigner. Mais... Attendez.
もしもし。あ、お疲れ様です、ヨウです。あ、いい。爪のお手入れしないと。Désolé pour cet appel imprévu. Putain, pile au moment où je regardais mon téléphone, j'ai eu peur vu que je reçois jamais d'appel. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Joli. Oula, faut que j'aille ce soir un repas avec le boulot à 6h30. Faut pas que j'oublie. Ça fait un repas en moins à payer dans la journée. Ils veulent nous passer une clé? C'est à nous de passer la clé? C'est quoi? Non, c'est des objets. Ça j'adore franchement. Ça je kiffe à mort. Le fait qu'on... Quand on est, je sais pas, genre 20 personnages. Et qu'il y a 16 personnages qui restent en plan tout le temps. C'est bien d'avoir des donjons grands comme ça. Où les... on peut séparer les membres et tout. Je trouve ça énorme. Énorme. C'est une super bonne idée ça. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? La caméra est tellement chelou, j'y vois que dalle. C'est... très bizarre quand même. Comme angle de caméra, mais... pourquoi pas. Monsieur Sigmund. La vache. C'est chelou. Thank you.
Faudrait que je regarde un petit peu dans le menu une fois. Pour voir si on n'a pas eu d'autres. Quoi, on a aphasie. C'est quoi ça? Pourquoi on a trois petits points? Ah, ça doit être aphasie, ouais. De toute façon, on s'en fout. Familché, non, on s'en fout pas, non. Parce que c'est elle la mage. Skill personnel, non. Magie. Flûte, connect. Ah, c'est peut-être connect. Non, non, ouais, c'est. Ah, on a eu des trucs en plus, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a Symphonic Blade. Ça peut être sympa, ça. Et on va mettre l'autre, la Matching Boot. On va botter les culs des ennemis. On peut pas leur parler. Bon, j'ai pas l'impression qu'Aphasie s'en aille à quoi que. Ouais non, ça va en fait. Ça va, ok. Elle est juste allée en bas. Je pense pas qu'il y ait un truc. Ah bah non, non, il n'y a pas de chemin en fait. J'ai rien dit. Qu'appelle notre double mauvais. Bienvenue dans Zelda. Zelda sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Par contre, on est dans la merde. Hein. Ouais, on va se foutre ici. Oh merde, il est mort. En fait, ils sont tous fait tuer par Sigmund, j'ai l'impression. Sigmund. Oh non, putain. En plus, il y a plusieurs portes. Oh. Oh mon dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Attendez, on vient de là, ok. Ça part comment? Ok, d'accord. Alors. Si on fait ça comme ça, ça va où? Ah, bon bah voilà. C'était rapide. C'était rapide, ça c'est bien. On a trouvé la. Le numéro complémentaire. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur cette porte. Donc on a dit ça va là. Hein? Ça va là. Ça devrait être bon là, non? Mais non! Mais quelle bite! La bite! Quel con. J'ai oublié de changer le premier. Comme ça. Je pourrais créer un jeu de puzzle à moi tout seul, je pense. Je viens pas d'avoir une pierre. Ah ben non. Il faut choper la pierre que nos amis ont. C'est la deuxième fois.
Deuxième fois qu'il vient ici. Aya nous apporte la pierre, peut-être. Ouais. Merci Aya. Et nous, on leur donne notre pierre. Ok. Bah c'est bien ça. Non, franchement, c'est vraiment un bon système, quoi. Ça fait vraiment penser à un MMORPG solo, c'est sympa. Parce que... il était sorti avant FF12. Il est sorti après FF12, je crois. Vu que ce jeu date de 2009, il me semble. Il a 11 ans. Putain, c'était du poison, merde. Je crois que c'était un ennemi. J'aurais préféré un ennemi. Du poison. C'est le coronavirus. C'est que ça. C'est Lucas qui fait ça? Je dirais que lui. Putain, par contre, Milché n'a plus de magie. Alors, attendez. C'était quoi les MP? La guerre éclair. Là, ça me fait penser que Blitzball, ouais, du coup, ça vient de l'allemand. J'ai jamais fait attention, ouais. Blitz. Et Krieg, la guerre. Ah, c'est un boost en fait, Symphonic Blade. C'est du caca en fait. C'est bon, ils sont morts. Ah non. Putain, bouffe CMP à une vitesse Milché, c'est un truc de fou. Ouah, Edouard. T'es tellement classe.
Ah, ah merde, j'ai trompé de touche. Donc ça on va le virer. On va plutôt mettre du coup la ça et ça, on va mettre. Mettre ça. Ok, on est bon. L'ennemi. Ah si. Oh la vache. Attends. Ah oh bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a eu du premier coup. C'est pas très dur. Enma. On va pouvoir acheter des objets. Oula, ça pue du cul. Ça sent le boss. Ouais, ça sent le boss. On doit arriver à la fin de la tour. Allez Enma. Est-ce que on a des trucs à acheter? Déjà on va se reposer. Très important. Est-ce qu'on a des trucs à acheter? Je suis pas sûr mais bon. On va quand même acheter des trucs de magie, on sait jamais. Les queues de phoenix, j'en ai encore. Est-ce qu'il en vendait? Et 6, on va en prendre 4. On va sauvegarder. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Non. Ah non, on va aller attaquer madame. Madame. À travers plusieurs salles. Ça, ok. Ça devrait passer là. Ouais. Donc, ça va là. Oh. Attendez, c'est où? Oh lo 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 lo. Ah ouais. Le jeu il est vénère là. Donc là hop ça va aller ici. Putain, on se croirait dans... Comment ça s'appelle? Talos. Le principe de Talos ou je sais pas quoi là. Ok donc ça va ici. Je devrais pouvoir ouvrir la porte du milieu, je pense. Ouais. Ok. Bon, par contre... Donc il faut que ça arrive sur lui. Okay.
Tant d'ingéniosité, incroyable. C'est vrai que ça se répète un petit peu. Malheureusement. C'est pas si grave que ça, mais... Salut, ça va ? Non, un mur d'air. Comment va-t-on faire pour passer? De l'air. Je meurs. Marrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Iter. Aïe. Il vient de dire aïe. Oh, c'est énorme. Aïe. C'est tellement mal fait. Truc de fou. Attendez, on est où? Putain, je me vois pas. Attendez, je suis où? Ah, je suis mort en fait. D'accord. Pas mal. Ah. Très bon jeu. J'adore. Aïe. 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 C'est pas mal comme jeu. C'est un petit peu pourri, hein, parce que... Je veux dire, on voit rien, quoi. On n'y voit que dalle. Ça, par contre, c'est un truc assez marrant du jeu, parce qu'il sauvegarde, en fait, les mécaniques. Enfin, les énigmes, apparemment, qu'on a réussi. C'est assez étrange vu que bah on n'a pas sauvegardé ça. Tant mieux hein, d'un côté, mais. C'est vrai que c'est assez bizarre quand même, comme mécanique de jeu. Attendez, mais c'était vraiment par là? Attendez, on est où là? On est où? Hein? Attendez, on est en train de revenir en arrière ou quoi? Attendez. Il nous a foutu en arrière ou quoi? J'ai l'impression que oui. Bizarre ça. Ouais, c'est ça, il nous a remis en arrière. Putain, l'enculé! Va te faire! Le truc, il nous avait refoutu en arrière. Crescendo time!
Ah putain, bah non, ouais. Voilà. Du coup, on est obligé de se retaper ça, putain. Bon, on ira sauvegarder, hein, parce que... Le passage avec les pierres peut devenir assez chiant. Très vite, je pense. Ça a l'air d'être un petit peu merdique. Et de pas très bien marcher. Et donc du coup, comment il fallait faire là? Hop, ça va tout droit. Celui-là on le tourne. Hop, celui-là. Bah celui-là il est bien comme ça. Voilà. Donc, on va aller sauvegarder. On sait jamais. On va aller se soigner aussi. Si jamais on remeurt, au moins, ce sera plus rapide. Putain, de fil bouge. Voilà. Putain. Comment elle a fait pour crever? D'accord. Bah voilà, on l'a eu la gargouille. On va changer de... Là, ils vont vraiment pas venir, du coup. On va les faire attendre en bas, je pense. Là où on va arriver au niveau des pierres, on va les laisser en bas. Et je pense comme ça qu'ils pourront pas me suivre. Tu peux me soigner? Merci. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Oh putain, on peut pas? Si, on peut. Mais il faut faire quoi là? Ah,
C'est bon, on a réussi. C'était un petit peu du caca quand même. Parfois ils ont des bonnes idées, mais parfois non. Green Valesti. Ah. J'espère qu'il n'y a pas trop de passages comme ça, ou alors qu'il y ait des points de sauvegarde. Oh putain. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on a eu? Aucune idée. Putain, il y a encore une gargouille. Encore Aya. Aya, qu'à lui dire. On a trouvé un bout de sphère, mais je crois qu'on a trouvé plusieurs bouts de sphère en fait. Attendez, parce qu'on a, on a tout trouvé, il me semble. Oui. Bon, il dit qu'on doit péter la chaîne. Est-ce qu'on peut créer? C'est ça. Voilà. Ça, on peut lui passer. On avait trois morceaux, donc c'est moi qui l'ai assemblé. Ça, c'est bien la puissance de Monsieur Sigmund. Ça change du héros principal de ce jeu qui ne sait rien faire. Elle est méchante, Aya. Merde. Est-ce qu'on peut l'avoir là? Oh là, voilà, voilà. Oh là, il n'y a qu'une porte. On va bien afficher la map en haut à droite. Sinon je risque de revenir et de me dire tiens, on n'avait pas tout vu alors que si. Il y a beaucoup d'étages quand même. Hein. Heureusement que la dernière fois on avait arrêté en cours parce que sinon ça aurait fait quand même une vidéo très longue.
C'est un vrai donjon, quoi. Merci. Ils sont où les autres? Ça va? Vous faites bronzer? Parfois le jeu est un petit peu bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il est comme buggé. C'est assez étrange. Ah oui. Ouais, ça va pas être avec lui. Donc, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Ah bah on l'a eu, ça va. C'était plus simple que ce que je pensais. Merde, on aurait dû les sauvegarder. Vous avez un joli œil, monsieur. Putain, Lucas est déjà mort, quoi. Bon, eux, ils sont morts. Putain, on est paralysé. Salopard. Mais putain. La bite train. Attends. Il est mort. Le boss de merde. Ah non mais vraiment, cette attaque qui nous bloque et on peut plus rien faire, c'est horrible. On regarde le combat. C'est cool. J'aime bien. Attends. Je sais pas s'il y a un point de sauvegarde juste après. On va juste regarder. Je sais pas. On va quand même revenir en arrière, on sait jamais. Yeah.
incendie. C'est bon. Voilà. On est mieux là. On est beaucoup mieux. On augmente assez vite de niveau quand même. J'avais peur au début parce que le système d'XP était un petit peu chelou, il faut donner des coups dans les airs ou je sais pas quoi. J'avais peur de ne pas pouvoir augmenter le niveau, mais ça va. Au final, on s'en sort plutôt bien, je pense. On arrive en haut, est-ce qu'il va y avoir un autre boss? Dans le doute. Ah non. Rendez. Dithyrambique. Voilà, c'est le rendez. Léonido. À confondre avec Léonidas. Des retards. C'est peu importe la hauteur de la tour. On peut pas se rapprocher de Dieu. N'être que des humains qui n'ont pas été choisis par Dieu. Mon Dieu te veut en sacrifice. Je te tuerai pour le peuple entier. Je te laisserai pas passer. Putain, on va combattre seul? Ah non. Il s'appelle Dortoir. Dormitory. Bon, Dortoir, tu vas pas faire mon feu. Est-ce qu'on peut la tuer, elle? Non. Merde.
Ah, d'accord. Ok. Lucas est mort. Putain, mais... Arrête de bouger! Laisse-toi tuer. Putain, mais lui aussi fait chier. Ah putain, il y a les autres qui arrivent. Putain, mais t'es pas mortel. Mais non, c'est Lucas. Putain, mais il se téléporte. Mais... Ah, c'est bon. À tous les personnages qui sont en train d'arriver. Putain, mais dortoir, il est rapide. Hein. Mais le boss le plus nul de toute l'histoire du jeu vidéo, quoi. Mon Dieu. Au secours. Putain. Vous allez la laisser tranquille. Ah putain, on l'a eu, merde. Évidemment, pile au moment où j'utilise un truc de MP. Oh putain, mais maintenant on l'affronte lui. Léonidas. On a tué Léonidas. Mina, Kapil. Plus de chocolat. Coupe la chaîne, Kapil. C'est fini, Léonidas. Ah,
Tu veux que ça soit fini? Alors je vais te donner la fin que tu souhaites. Toute la puissance du lunagramme que j'avais en moi, je vais la sortir maintenant. Ne t'attaque pas à Capel. J'ai aucun intérêt pour toi. N'est qu'un pantin pour lui. Demande la force du dieu Bella. Oh putain, ça sent la mort de Sigmund, ça. Je sais pas pourquoi, mais... Ah non, c'est la mort de dortoir. C'est la fin. Je te l'ai dit. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Ah, je crois qu'il va mourir. Tu n'as pas besoin de la puissance de la lune. Tu es fort tel que tu es. Ah, vu qu'on n'a pas de lunagramme. Je te laisse t'occuper du sort de la terre. Mais l'autre, il a vraiment disparu, là, Léonidas? Où est-il? Je te demande où est Sigmund? Réponds-moi! Ferme ta gueule! Si seulement j'avais été plus puissant. Ah. Ils sont un petit peu en retard, eux. Je voulais tellement en faire plus pour toi. Où est Sigmund? Qu'est-ce qui s'est passé? La
personne que tu voulais protéger plus que tout? Est-ce que c'était vraiment cet enfant? Si c'est le cas, alors c'est moi qui vais. Même l'ours est triste. Qu'est-ce que nous allons faire à partir de maintenant? Réfléchis bien. De maintenant, ce qui nous attend. Mina. Écoutez-moi tous. Ima, ここで死んだのは旅芸人のカペルただ一人。英雄シグムントはここにいる。Hein? Mina.Capel vient de mourir. C'est moi, Sigmund, qui vais prendre le relais. J'ai été sauvé. C'est pour ça que nous devons continuer notre voyage. C'est quoi cette blague? C'est pas une blague. Nous avons besoin encore d'un héros. Qu'est-ce que tu dis, Eugene? Est-ce que tu es sûr de toi? Tu ne pourras plus fuir. Je vais le faire. Partons vite d'ici. Donc il va faire semblant, il va dire au monde entier que c'est Sigmund. Tu ne peux pas remplacer Sigmund, c'est pas possible. Ok, donc on va faire semblant d'être Sigmund. Mais bon... On n'a pas son armure ni rien, quoi, je veux dire. Dans la logique des choses, si on veut vraiment ressembler à Sigmund et dire que Capel est mort, bah, il faut plus être habillé en Capel. Oh, disque 2. C'est le disque 2. On doit être à la moitié du jeu, alors. Oh ! Tu es Sigmund. Tiens-toi droit. Merci d'avoir sauvé Fayel. Il est très handsome, ce héros. Ils ont réussi à détruire la chaîne avec Dominica. Je vous avais sous-estimé, monsieur Sigmund. Venez au château. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes très fatigués. Nous n'irons pas au château aujourd'hui. Laissez-nous nous reposer. Vous avez l'air d'être fatigué. Ça ira pour aujourd'hui. J'ai été sauvé. Reposons-nous. Et reparlons de tout ça demain. Putain, Edora avec son armure. Bruit de pas avec l'armure. Bien fait, bien fait.
Ah, c'est la femme super puissante. C'est la Saiyajin. Aya-sama, elle protège apparemment sa chambre de Aya. Et donc, elle n'est pas dans un état à nous voir. Elle est en train de pleurer, j'imagine. Putain, mais la map a encore disparu, quoi. C'est un truc de fou, ça. Pourquoi la map disparaît à chaque fois? On n'a pas nos MP qui sont régénérés. Alors qu'on était censé dormir. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut que je te parle. Non, j'ai pas l'impression. Non, bah on va retourner, peut-être aller voir le roi, le père de Aya. Non, pas du tout. Peut-être qu'il faut partir alors. Ouais, on va essayer de partir du château. Oui. Je bouge un petit peu le casque. Voilà. Y avait une porte ici. Non, c'était pas une porte. Je crois pas qu'on pouvait rentrer là-dedans. Bon, c'était là qu'il fallait aller apparemment. Edouard. Nanda. Qu'est-ce qu'il y a? Suimasen. Omae wa kore kara Sigmund sama o enjirun daro ga? Hai. C'est maintenant ton rôle de jouer Sigmund. Ressemble juste à Sigmund. Mais tu n'es pas lui. Jamais je ne te ferai confiance. Dégage d'ici. Quand je te vois, ça me donne des envies de meurtre. Voilà, j'ai envie de te frapper. C'est vrai que Edouard n'est pas très content que Sigmund est mort et qu'on remplace Sigmund parce que bah, au final on fait juste que ressembler à lui quoi. On n'a pas vraiment les épaules pour devenir Sigmund. Donc à la base on est un peu heureux qu'il n'y avait pas trop envie de partir à l'aventure. Mais faut aller où là? Faut partir. Par contre, maintenant, Sigmund, il sait jouer de la flûte. Ça, c'est bien, ça. Ah. Personne à l'auberge. Putain, c'est flippant comme scène. Hein. Il va voir deux gosses la nuit. Sois fort, Capel.
寝言？ありがとう。Il parle en dormant. Oesmi. Luca. Loca. Bonne nuit, Luca, Loca. Ok, faut aller voir tous les personnages, j'imagine. Un petit peu à la Tales of. Pour savoir ce qu'ils pensent. Milche. Tu m'as trouvé. Qu'est-ce que tu fais à cette heure tardive? On ne peut pas dormir. C'est pas juste ça, je regardais juste la lune. Je me disais que même enchaînée, elle est belle. Vous êtes incroyable, Milche. De toujours avoir le sourire. Je suis contente de pouvoir sauver les gens que j'aime. Grâce au lunagramme de soins que j'ai en moi. Mais ce n'est pas possible de sauver tout le monde. Alors j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Mais tu as déjà sauvé beaucoup de personnes et il y a encore des personnes qui attendent d'être sauvées par toi. Tu ne fais pas que lui ressembler. Tu dis la même chose que Sigmund. Ne regrette pas le passé et regarde le futur. Je te fais le cadeau des mêmes mots. Ne regarde pas le passé, occupe-toi du futur. Merci. En effet, c'est des mots qui marchent aussi pour nous. Vigine. Capel. Toi aussi, tu peux pas dormir. Hein. Je me sens pas très bien tout seul. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel. C'était quelqu'un qui avait la tête dure, qui n'aimait pas perdre, il était loin d'être parfait. J'avais envie d'être son frère, son ami. Tu ne fais pas que lui ressembler. J'ai été content d'avoir parlé avec toi. Allez, repose-toi. Bonne nuit. Est-ce que Eugene... Non, il reste quand même pas mal de personnages, je crois. Hein, parce que bon, Aya, on peut pas aller lui parler. Bon, là, il y avait les deux frères, là. Enfin, frère-sœur. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages? Ah, peut-être Barba, je sais pas quoi, là. J'ai oublié. Barbacan. Serbacan. Peut-être qu'il est au saloon. Ah non. Ah bah non, il est là, en fait. Ok, d'accord. Nanda Kapelka. Ah, c'est toi, Capel.
Il n'y a plus Sigmund, alors je vais arrêter de voyager. Tu lui ressembles, mais tu n'es pas Sigmund. Maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai plus de sens à être ici. Je me suis fait avoir par Sigmund. Une fois qu'on aura fini de sauver le monde, on se fera un duel. Maintenant qu'il n'est plus là, rien n'a plus de sens. Alors je m'en vais. Vous partez ? Je te déteste pas, mais... désolé. Passe le bonjour à tout le monde de ma part. Oh putain, il part vraiment ? Il va revenir. Donc voilà, il est parti. Vu que Sigmund est mort. Enfin bon, on sait. Enfin. Est-ce que Sigmund est vraiment mort? Parce que le mec aussi, le méchant, on sait pas s'il est mort. Peut-être qu'ils ont été téléportés dans une autre truc. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'armure de Sigmund. Donc sûrement que l'armure est restée au sol. Ce qui voudrait dire que si Sigmund est vivant, il serait arrivé dans une zone avec le méchant à poil. Ce qui, bon, ça semble un petit peu quand même tiré par les cheveux, donc... malheureusement, il y a de grandes chances pour qu'il soit mort, je pense. Là, on peut y aller. Non, on peut pas. Bon, bah on n'a plus qu'à aller au château. Édouard. Bon, après, il y a l'ours, Daya. Je crois qu'on a fait quasiment tous les personnages. Il y avait quelque chose ici ? Non. Donc ici on y est allé. Peut-être aller voir Aya du coup. En tout dernier. Faut aimer marcher quand même dans le jeu. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Ça me fait un petit peu peur. Donc elle, elle le sait apparemment qu'on n'est pas Sigmund. Parce qu'elle dit, ah oh, tu es celui qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu lui ressembles. Donc ouais, elle doit être au courant que... je sais pas si elle est au courant que Sigmund est mort. J'ai pas l'impression. Mais elle doit se dire que quelque chose cloche. C'est vraiment un endroit où qui est joli à regarder. Oh, au jeu de la flûte. Un skill que Sigmund n'avait pas. Oh ben Aya était là. Aya. Aya. Naite nanka nai dakara.
Je ne suis pas en train de pleurer. Jouer de la flûte ici. Tu es Sigmund. Désolé. Pour cette fois seulement, je ne dirai rien. Combattre pour tout le monde et ne même pas avoir de des funérailles. C'est dur. Nous devons nous battre pour Sigmund, pour son esprit. Est-ce que c'est vraiment bien que je devienne? Tu ne remplaceras pas Sigmund? Tu fais juste semblant d'être lui? Fais du mieux que tu peux, je serai derrière pour t'aider. Je ferai tout mon possible. Ah, on a appris une nouvelle musique. Enfin, une nouvelle mélodie plutôt. Regardez-moi bien. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Mais il avait un truc dans les cheveux. Comment il s'appelle? Sigmund. Et lui, il l'a pas. Ça vous va bien, Sigmund? Personne ne vient pour... Allons-y. Les autres ne viendront pas. C'est normal, c'est parce qu'on est... Capel et pas Sigmund. Ah, tu es en retard, Capel. Vous aussi, vous venez avec nous? Nous aussi, nous venons. Ne nous laissez pas. Bah voilà, tout le monde vient. Sale Capel. Oh. J'ai cru que t'allais m'abandonner encore. Ah, tu es en retard. Nous sommes tous dans le même bateau. Finalement, tout le monde est venu. Il ne reste plus que Balbagan. Balbagan ne viendra pas, il me l'a dit hier. Je ne peux rien faire contre eux. Eh bien, Capel, sinon on va te laisser. Attendez, Aya. Putain, encore le désert, quoi. Ah, j'en ai marre du désert. Où va-t-on?
この国でもう少し戦力になりそうな人を集めるとかダメかな。それも道の一つ。Nous devrions chercher des personnes qui pourraient nous aider. ここの鎖は切り終わったんだ。次の国を目指すに決まってるだろう。On a fini notre boulot ici. Nous devons péter la prochaine chaîne. Nous avons perdu quelqu'un. Eux aussi, les ennemis ont perdu leur Léonidas. C'est le moment d'attaquer. Il faut aller à la ville portuaire de Zala. La ville portuaire de Zala ? Depuis que Sigmund est parti, il veut devenir le leader. Bon. Est-ce qu'on peut prendre Dominique ? Pourquoi on peut pas prendre Dominique ? Bon. On va prendre Miché. On va prendre Aya. On peut pas prendre Dominique. Ouais. On va prendre Edouard. Alors attendez, parce que là... Déjà on va sauvegarder. Est-ce qu'on peut voir la map de dehors? On peut pas voir la map de dehors. C'est quoi la nouvelle idée. Ok, donc il faudra prendre un bateau depuis la ville portuaire de Zala. Ah bah attendez. Il y a le marchand d'armes ici. Donc ça, on va regarder pour nous. Ah putain, Aya. Aya, on peut lui acheter ça. Ouais, Aya en a besoin quand même. Ça va lui faire pas mal augmenter ses trucs. Ça c'est pour Aya. Pour Edouard. Pour Edouard, on va lui acheter ça aussi. Et ensuite pour Milché. Jolie botte. Et toi aussi t'en avais besoin. Hein. Putain. Ok. Et nous, on a besoin de rien, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors équipement. Aya. Ensuite, non, ça c'est Lucas. Edouard. Et ça, ça booste pas mal. Et Milché. Ok. Est-ce qu'il y avait des armes? Je sais plus s'il y avait des armes. C'est toi qui vendais des armes? Non, ça c'est des accessoires. Le guitare. C'était toi. Alors. Bon, là on n'a pas besoin. Ok. Toi, est-ce que t'as besoin d'un arc? Ouais. Toi, on s'en fout, s'en fout. Toi, tu l'as déjà. Milché, elle aussi. Après le truc. Ah ouais, quand même. Ouais. On va quand même lui prendre ça pour elle. Donc on a pris pour Aya. Et on a pris pour Dominica.
Est-ce que Gustave, on peut lui mettre des trucs? Non. Ce qui me paraît logique. Ok, ok. Et on va sauvegarder. Garder sur deux slots pour être sûr. Bon, par contre, il va falloir trouver la ville portuaire de Zara. Je crois que dans la map précédente, là où c'était pas le désert, la plaine, on avait fait toutes les sorties. Il n'y avait pas de truc ville portuaire. À mon avis, ça doit être à partir du désert qu'on peut y aller. Allez, on y va. Ah, c'est dans une. Alors, il faut aller où? Map. Ouais, c'est chaud. Je sais pas du tout où c'est. Je pense qu'on va explorer vraiment bien toute la map. On a dû louper des chemins, je pense. Voilà. Il y a Gustave. Que dalle, on est d'accord. Il faut vraiment bien que je 100% de la map. Ça, je sais toujours pas comment je le pète. Allez, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Il doit y avoir un skill pour péter les rochers. Je vais regarder parce que vu qu'on est déjà au CD2, ce serait con quand même de passer à côté de ça. Infinito. Qu'est-ce qui se passe? Gustave. Ok, donc soit c'est Balbagan, soit c'est Gustave. Flame Lido. Flame Lido. Problème, c'est que j'ai pas Gustave avec moi là. Est-ce que je peux changer? Je peux pas changer. Bon, pas grave. Donc c'est Gustave en fait qui peut péter les rochers, ok. Maintenant on le saura. Putain, faut faire ce côté là aussi. Hein. Pas facile. Hein.
Hop. Voilà, dans cette zone, il n'y a plus rien. Plus rien à chercher. On a tout débloqué au niveau des chemins. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs par là? Peut-être en haut, ouais. Peut-être en haut. On va aller voir vers le haut. Au nord. Ah merde, c'était pas là où je voulais aller. Bon, là il y a rien. Ah, mais d'accord, hop, hop, que dalle. C'est fait. Bon là ici il n'y a rien, ok, d'accord. On se fait agresser, ok, on est d'accord. On se fait encore agresser, bon on va les tuer. Saloperie. Frère de Gustave. Il n'est pas content. Il y a le papa qui arrive. Pas de problème, papa. Oula. Et on se fait attaquer par la tempête de sable. Ah. Ah bah là on peut passer, ouais. Ça doit être par là, je pense. Ça doit être par là. Un cactus. Oh, ça sent la nouvelle zone.
Là, on peut aller à Bihal. Ok. Bihal. Est-ce qu'on était déjà allé à Bihal? Je suis pas sûr. Et ça, ça nous mène... Est-ce que ça nous mène à Zala? Ah, c'est ça, c'est Zala. Bon, bah du coup, on va aller voir à Bihal. Si on peut y aller ou pas. Que ça, ça va être le chemin principal, Zala. Ah non, on n'est jamais venu. Et on peut y aller. Putain, il y a mage. Donc ouais, du coup, ça voudrait dire peut-être qu'on va être obligé de revenir ici plus tard, après la ville de Zala, de faire une quête là-dedans. C'est fort possible. Ah d'accord. Le bug. C'est le bug. C'est pas forcément un bug, mais on voit à travers le mur. Ah, on peut y aller. On peut y aller. Ok. Un bruit qui fait quoi. Midi et demi. Il va falloir quand même que je mange un petit peu. Je vous explique. Un ennemi. C'est un ennemi lanterne. Putain, il y a encore un autre ascenseur ici. Merde. Et la lanterne. Bah, c'est bien. C'est bien parce que ça change un petit peu au niveau des décors.
Ça change des... Désolé. Ok, il a ouvert la porte. Ça change un petit peu, ouais, de la tour. C'est bien. Ah, il a sonné l'alarme. Le con. Edouard est mort. Sans deck. La vache. Vite. Non. Sans deck. Oh non. Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Bon. Putain, tout ce qu'on vient de faire pendant les 20 dernières, 30 dernières minutes, plus rien. C'est vrai que on dit que les jeux Mega Drive, les jeux Nintendo, Super Nintendo et tout ont beaucoup vieilli. Mais même des jeux comme ça qui datent d'il y a 10 ans, je veux dire, c'est quand même assez récent. Même des jeux qui datent d'il y a 10 ans, où en fait, il n'y a plus de sauvegarde automatique, c'est extrêmement vieux maintenant. C'est inimaginable de nos jours. À part pour certains jeux qui sont comme ça, genre Monster Hunter et tout, God Eater, tout ça, les Hunter-like, Monster Hunter-like, mais sinon ouais, c'est inimaginable. Bon, c'est con parce que on a perdu un petit peu d'XP, mais plus que l'XP, ce qui me fait chier, c'est surtout le... l'argent. Ça, l'argent, ça me fait chier. Ouais. Parce qu'on avait dû quand même se faire un petit pactole, je pense. Alors, on va pas retourner aux mines. Hein. Voilà, c'est juste pour activer la map. On va aller direct à Zara, du coup. Malheureusement. Il y a des personnes blessées. Pas trop à quoi je m'attendais aussi.
どうしちゃったんですか、この町。津波だよ。津波？海にあるあのでっかい鎖のせいだって話だ。À cause de la chaîne. Kaigan ni kusari ga? Ah, imaimashi. Kusari no sei de konna koto ni. Hitoi. Sono uchi motto ookina tsunami ga kuru kamoshirenai tte na. Minna hissi ni hinan shite ru tokoro da. Peut-être y aura un tsunami encore plus important. Tout le monde a fui. Vous aussi, vous devriez fuir avant que le tsunami arrive. Mais attendez, vous ne seriez pas le héros dont tout le monde parle? Le héros est venu nous sauver. Quoi, le héros? Vous allez détruire la chaîne qui est dans la mer. Sauvez-nous. Vous êtes vraiment le héros, c'est ça? Je suis le héros Capel. Sigmund va vous aider et détruire la chaîne. Rentrez chez vous. Merci de m'avoir aidé, Edward. Préparons-nous et allons à la plage pour détruire la chaîne. On ne pourra pas résister à un autre tsunami. Merde. Je ne sais pas sortir aussi vite. D'accord. Putain, les maisons, elles sont vendues. Hein. Ah, Dominica. Qu'est-ce que tu fous chez l'habitant, Dominica? Une chaîne dans la mer. Ça peut être facile. Ah. Fermé à clé. C'est horrible. Il faut vite trouver la chaîne et la détruire. Ah, l'auberge. Oh, il y a un truc caché. Lui aussi est fermé à clé. Cette chaîne dans la mer. Les chaînes doivent vraiment avoir un sens. Putain, ça rame beaucoup là. Ouh la vache. Effectivement. Les chaînes doivent avoir un sens, mais quel sens? Ça, c'est la grande question. Cette question à 10 millions. Qui veut gagner 10 millions? Tiens, t'as pas parlé à toi. Pense m'enfuir, toi aussi tu devrais t'enfuir. Le grand tsunami arrive. C'est Léviathan en fait. J'ai peur maman, j'ai peur. Ah, d'accord. Si tu t'accroches bien, tout ira bien, effectivement. Je suis pas sûr que ça suffise face à un tsunami, mais bon. Lui, tous. Attention au virus, monsieur.
Elle, elle a peur. Ok. Elle pousse des cris. Ah, attendez, c'est vrai qu'il faut leur parler deux fois. Ah non. Non, non. Elle dit toujours la même chose, madame. C'est vrai que c'est tristouille, hein. Après tout, ils viennent de se prendre une tsunami, mais... Ouais, c'est là d'où on vient, ouais, c'est là d'où on vient. Beaucoup de maisons. Hein. Nous allons nous faire emporter par le tsunami. Il faut vite détruire la chaîne avant que le tsunami arrive. Bon, on va essayer. Le bruit des vagues est tellement assourdissant. J'ai entendu parler de vous, vous êtes le héros qui a détruit la chaîne de la tour de Westplam. Nous ne pouvons pas laisser notre ville être détruite par un tsunami. Sauvez-nous, monsieur le héros. Un tsunami arrive. Putain, si on n'a pas compris qu'un tsunami arrive... Je sais pas si c'est la faute de la chaîne, mais la dernière fois que j'étais venu ici, ce n'était pas du tout la même ambiance. Ah, donc toi, tu vends des potions et tout. Ah putain, d'accord, j'ai plus du tout de queue de phénix. On va prendre 8. On va prendre 8. Fukai Kizu, on va prendre 4. Potions de soins, et pour la mana on va reprendre 2. Voilà. Toi tu vends quoi? C'est pour qui? C'est pour nous? Ah, c'est la même arme, c'est ça que ça veut dire. Ça c'est pour Edouard. Ok, ça c'est pour putain, on peut lui équiper des griffes. Ah, c'est pas mal ça comme concept. Équiper des griffes à un ours. Ok. Ça c'est pour Aya. Ok. Ça c'est pour nous et pour Edouard. Ah, et c'est pour Dominica aussi. Ah, mais c'est pas très intéressant. Ça c'est quoi? Ouais, ça a pas l'air d'être intéressant. Attendez, on va équiper les griffes. Les griffes de Gustave le Grand. Que si je préparais du thé, tout le monde irait mieux. Ça, je suis pas sûr. C'est un tsunami, immense, fuyez. Elle retrouve plus sa maman. Où est maman? Le tsunami arrive, tu ferais mieux de fuir. Ah, et ça c'est... Le saloon. Le tsunami arrive, ok, le tsunami arrive. On a compris que le tsunami arrive.
aussi, il dit qu'il va fermer sa boutique. Et fuir avant que le tsunami arrive. Oh putain, c'est eux. Ça faisait longtemps qu'Appel. Ça faisait longtemps. Ça sert à rien de rester chez soi. Nous vendons des objets désormais. Ne faites pas attention à lui. Oh, mais j'ai envie que vous fassiez juste un tout petit peu attention. Mais qu'est-ce que je dis? Si vous avez besoin de quelque chose, dites n'importe quoi. Si c'est pour Capel, je ferai tout et vraiment n'importe quoi. Faites attention à vous. Et vous m'avez bien dit, Faina, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, je n'ai pas oublié. Ok. Attendez, Toto. Ok. Ah, il y a Edouard. Il y a Baladur. Si la ville est comme ça, c'est à cause du tsunami de la chaîne. Ah, la ville est grande quand même. Il n'y a pas énormément de choses à visiter, mais... La ville est grande. C'est une maison, ça? C'est chelou, dis donc. De rester ici et se protéger, enfin protéger son matos jusqu'au bout. Ah. J'ai pas vu Luca et Loca, il me semble. On pourrait parler aux souris comme ça avec eux. Est-ce qu'on peut aller là? On peut aller là. Un coffre encore. Arrête pas d'avoir du poisson. Pour pouvoir faire un bon repas. Avec du poisson. Vraiment, il a perdu son bateau, lui. Bah, je crois qu'on a tout fait à la ville. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on ira voir. Ah non, non, c'est vrai que j'ai pas demandé. Tu vends quoi, du coup? Ah, tu vends de la bouffe, surtout. Ah, tu vends pas que de la bouffe. Ok. Ok. Et si on te parle à toi? Ma sœur, enfin Reim, a l'air d'être contente. Je sais plus si c'était sa sœur ou sa mère. Je crois que c'est sa sœur. Putain, on peut aller ici aussi.
Ah tiens, Gustave. Ah bah ils sont là. Ils disent la même chose. Top, 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 top. Sauvez-nous. C'est peut-être là qu'il faut aller. Ah d'accord, ouais, ça doit être la suite de... La suite du jeu. Bon. Peut-être qu'on aurait dû parler à Edouard. Non, 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 non. Ça va peut-être déclencher une scène, donc on sait jamais. Où était l'auberge? Je crois qu'elle était là. Non, peut-être pas en fait. Non, non, elle était pas là, elle était là-bas. Oh bah, on avance bien, je pense, vu qu'on est déjà au CD2. L'histoire est intéressante. Franchement, ouais, un bon petit JRPG. Il doit pas être très long du coup, hein, vu qu'on est arrivé à peu près à 9h, 9-10h CD2. C'est ça, il doit durer une vingtaine d'heures, j'imagine. De toute façon, voilà, on verra la suite au prochain épisode. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.